Le championnat départemental de handball 2018-2019 se poursuit au stade Enrico Matei en Vonvo. Ce mercredi, en version masculine chez les juniors, la Echemino a dominé à Soc 23-18 en première heure. Quant au deuxième match des seniors, patronage qui a évité de justesse un forfait faute de retard, a fait une bouchée devant CTHB 40-20. À la mi-temps, les bleus et blancs menaient au marquoir par 4 buts d'écart. Les acteurs ont donné les raisons de ce score fleuve. On a bien débuté, mais les petits n'ont pas trop respecté les consignes que je leur ai données. J'ai bien dit qu'on est un peu sous-entraînés, parce que sous cette semaine, les petits n'ont pas bien s'entraîné pendant les périodes d'examen. Donc on ne pouvait pas suivre le rythme de patronage qui est à tout moment en activité. On doit s'entraîner, beaucoup s'entraîner pour corriger les erreurs, pour affronter les matchs qui viennent. Si on a eu l'équilibre, c'est parce que nous sommes supérieurs à eux avant et tout. Nous sommes des travailleurs. Donc chacun se débrouille, vu l'heure que nous sommes arrivés et tout, on n'a pas fait l'échauffement. Donc l'échauffement s'est effectué sur le stade. Donc c'est un peu ça qui a c'est la première période a failli un peu. Au moment où nous quittons le stade Enrico Matei, NHA Sport croisé à Soc.